Je me suis lancé le défi de finir tous les jeux Mario Bros 2D en moins de 10 heures. Cela comprend un total de 12 jeux et les voici dans l'ordre. Mario Bros, Lost Levels 2, 3, Land, Land 2, World, DS, Wii, 3DS, Wii U et Mario Run, le meilleur pour la fin. Je me suis beaucoup entraîné sur chaque jeu avant cette tentative, donc si la vidéo vous plaît, vous savez quoi faire, on rush les 400 000 abonnés. Allez, bonne vidéo. Allez, vous êtes prêts? Ouais. On a 10 heures pour finir les 12 jeux Mario. Ouais. 3, 2, 1, on est parti pour 10 heures. Sauf si je suis un flopper. Ouais, 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 ouais. Donc, du coup, premier Mario Bros, on pourrait le faire sur le All-Star. Je préfère le faire en original, le Mario Bros 1. Mais il est disponible sur All-Star. Et on fera d'ailleurs tous les prochains Mario sur le jeu All-Star, sur SNES, parce que les jeux seront plus beaux. On va jouer safe. En vrai, c'est faisable en 10 heures. Faut juste que je prenne mon temps. On va plus gagner de temps si on y va lentement, mais qu'on meurt pas de la game, plutôt que si on rush et qu'on fait que mourir, tu vois. Ok. Ok, alors ici il y a un one-up, juste là, voilà. Lost Levels, ça va être chaud. Lost Levels, j'ai une strat pour avoir des vies à l'infini, donc normalement ça le fait. Ok, niveau 4-1. En vrai, ce Mario-là, si on est chaud, ça dure 10 minutes max. Pas le droit au bouton replay. Ah non, bah non, bien sûr que non. Sinon, c'est trop facile, frère. Sinon, autant jouer avec Save State sur émulateur, hein. Ok, monde 8. Ok. Alors ici, si je dis pas de bêtises, il y a un one-up. Ouais, 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 ouais. Je joue très safe. Bah, c'est tout le... C'est un challenge qui dure 10 heures, donc c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu vois, donc... Oh ! Merde, première mort. Ok, niveau 8-3, faut prier. Niveau 8-3, faut prier parce que c'est très RNG, en fait. Faut juste avoir de la chance au niveau des frères marteaux. Ok, ça passe. C'est plus par la suite que j'ai un peu peur. Genre là, là. Ah merde, j'aurais dû sauter en haut. Oh putain. OMG. OMG, dernier niveau. Putain, first try. Frère, c'est tellement unlucky, ce putain de frère marteau. Il casse trop les couilles, frère, ce frère marteau. Genre, il y a un frère marteau, un pot d'eau boue derrière. Bowser, genre, ça va, frère. Un niveau aquatique, je te fais la totale ou... Seulement les prélis. Attends, il est mal positionné de zinzin. Let's go. Ok. Ok, Lost Levels, c'est fine si on arrive à faire le trick pour avoir des vies infinies, en fait. Sur Mario Bros 1, c'est difficile de faire un trick pour avoir des vies infinies. Et sur Lost Levels, si on y arrive, c'est gagné, genre. Ok, alors, ça consiste à faire ça. Tac, ensuite, faut trap, couper à droite. Bam, voilà, comme ça. Ensuite, bam, et ensuite... Nice, nickel. C'est pas très difficile à faire, ce setup, mais ça demande quand même de la précision, quoi. Vas-y, on se barre. Oh, c'était lent de zinzin, mais c'est pas grave, j'ai toutes mes vies. Moi, ça me va. Tant que j'ai mes vies, je suis content, tu vois. Ok, 128 vies, nickel. Comme ça, on est tranquille pour toute la run et surtout pour le dernier niveau, parce que c'est un putain de niveau de mort, quand même. Hein. Ok, on va par-dessus, ça sera plus simple. Non, mais frère, je passe à travers la plateforme, ça doit être ça, frère. Là, on passe... Nickel. Alors attends, ils sont où les blocs cachés? Ah oui, le premier il est là. Ok, ensuite le deuxième il est au-dessus de la lave. Voilà. Et ensuite... Voilà. Ok, monde 4. Lucky tube, c'était mort. Compliqué pour une warzone? Ah mais les gars, c'est Lost Levels. Hein. C'est genre le Mario Bros officiel le plus difficile. On va jouer safe comme ça. Je l'ai vu arriver ce dégât. C'est pas grave. Au moins, on termine le niveau. Un speedrun de 4 Mario. On est en 2012, là? Genre, la prochaine vidéo de Squeezie, ça va être le Question Time, là? Mais frère... Ne sois pas-t-il, Julgan. En mode moine tibétain, parce que... Il y a 12 jeux, en fait. J'aime bien le tableau de Bowser en fond. Mais... Oupinaise. Le frère marteau meurt en zinzin. Non! Mec, y'a qu'un pixel qui dépasse le feu, regardez. J'ai flippé parce qu'il y avait le truc de feu à gauche. Non, là, c'est my bad. Vite, saute, saute. Yes. Ok, putain de merde. Vous pensez que je dois contacter Berrywam pour rejoindre le collectif? OMG, monde 8.
OMG. Je me concentre, le monde 8, parce que c'est pas des lol. Hein. Oh, non, j'ai sauté trop tôt, je l'ai senti. Le timing de ce saut est galère. Hein. Oh, oh, mais mec, ce saut. Ce saut, je me demande s'il est pas frame perfect. Je pense qu'il y a 2 frames, genre. Oh, alors là, c'est bien, là. Nickel. Ok, alors là, il y a un saut assez précis à faire juste après avec le paratroopa. Oh, je l'ai raté. En fait, faut toucher le bloc au-dessus pour faire popper une vigne. Genre, c'est obligatoire. Vous allez comprendre pour ceux qui connaissent pas. Voilà, nickel. C'est pas une warp. Non, c'est pas une warp. C'est genre la suite logique de ce niveau. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, le niveau n'est pas finissable. Allez, normalement, celui-ci, le dernier niveau, on s'est entraîné de zinzin. Donc en vrai, allez, je me donne 5 tries pour le réussir. Ça fait 1. Ok, donc là, je me mets bien à gauche du bloc pour avoir l'élan maximal. OMG, ok. Ok, recul, c'est ça, ah putain. Ok, j'ai gagné, Lost Level c'est terminé. Il retourne tellement rapidement. Vous avez vu comment le gameplay il est vachement moins flottant, genre, je sais pas comment expliquer. Genre le gameplay est vachement plus rigide. Alors ce Mario, je me suis entraîné de zinzin dans la dernière semaine, donc normalement ça devrait le faire. J'ai même développé une strat pour le dragon, vous allez voir. La strat pour le dragon, c'est une dinguerie. Hein. Birdo, OMG. Je l'ai chopé mid-air, l'orbe. Non, l'orbe, elle a pas eu le temps de vivre. Ok, vous êtes prêts pour la première warp? Moi, je suis prêt, ouais. Ok, voici la warp. Monde 4. Oui, alors là, faut que je me concentre. Il y a pas mal de trucs à esquiver. Les boules de feu, les mascasses, les mobs, les buteux, là, dans le sol. Ça m'a l'air d'être un first try. Mec, c'est mon métier, Mario Bros 2. Je me suis tellement entraîné sur ce jeu. Je pensais que j'avais la hauteur nécessaire pour arriver au truc de glace, mais c'est pas grave. Putain, mais on peut rebondir sur la queue, putain. Ah, mais on prévient jamais aussi, genre. Ok. Allez, monde 6. AK, le pire niveau de tous les temps, mais c'est pas grave. Ce niveau-là est infâme, sa mère. Le sable mouvant, on dirait pas, mais c'est horrible, frère, genre, vraiment. Genre là, voilà, vous voyez à quel point c'est horrible, frère. Ah, bah je suis mort, bien joué à moi. Genre là, tu vois, tu tombes ici, t'es mort, t'es pris au piège entre les deux, genre... Le niveau est malveillant. Excusez-moi, mais ce putain de sable mouvant, genre je veux aller chercher les gens chez Nintendo qui se sont dit « c'est une bonne idée, franchement. Appuyer 50 fois sur le bouton B pour pouvoir s'en extirper, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. » 1, 2, 3... Nickel. Ok, ce niveau de mort. Bon, allez, vous êtes prêts pour la strat du dragon? Ça va être quelque chose. Hein. La strat est zinzin. Spoilez pas, no spoil. Lego, OMG. Alors là, je me positionne ici, du coup, il peut pas m'atteindre. Et alors là, je saute, je lui envoie. Il faut faire ça 3 fois. Là, je suis dans son angle mort. Voilà. Ouais. Luigi. Luigi time. Ok, ici, il y a un skip de fou, du coup, je disais... OMG, voilà. Et là, ça passe tout le level design de merde juste en dessous, là. Ok, niveau 7-2, vous allez voir, il y a quelques strats. Il y a une strat OOB un peu sympa. Alors, je vais pas forcément le réussir du premier coup, mais... Voilà. Alors là, attention, préparez-vous. La porte d'entrée est malveillante. Oh, donne-moi ça. Oh, putain. Ok, je rentre dans ta bouche, avale-moi. Let's go. Ok, boss final. On va jouer safe, le boss final. Faut le toucher 6 fois. L'oignon nerd, il met trop bien, frère. L'oignon nerd. Oh putain, je l'ai balancé trop tôt. En fait, faut que j'ai le bon timing, parce que si je le fais trop tard, en fait, les boules qu'il envoie, ça cancel le légume que je lui envoie, en fait. Nickel. Alors là, faut pas que j'aille sur lui à tout prix, parce que là, il a encore une hitbox, donc sinon, je vais crever, frère. On a fait les 3 premiers jeux en moins 1h30. Ah merde, putain! Oui, c'est vrai que c'est pas sur Y, du coup, pour sprinter. Putain, mais frère, les contrôles, ils changent d'un jeu à l'autre aussi. OMG, Tanuki? Quels OST de fou. OMG, référence à Céleste? OMG? Je peux avoir la flûte? Tout. Ok, ok. Donc là, normalement, il y a le Tanuki. Ok. Ok. Ah oui, ok, d'accord, il y a une porte. Ok, encore une flûte. Une fois sur la carte, tu utilises la première flûte. Ouais, dans la warp zone. Ok, sur la première ligne, et depuis la warp zone, tu utilises la deuxième flûte.
Ok, et là on est direct au monde 8. Ah mais merde, ici je pouvais passer en dessous. Il y a la strat où on peut passer en dessous avec l'eau. Attendez, je vais la faire. Je sais pas où je suis. Ok, on est à la fin, bien vu. Alors comment on fait déjà pour grimper? Je peux grimper ou... Je sais que c'est faisable, mais en fait je comprends... Ah si, ok, faut mettre le stick vers le haut, d'accord, ok. C'est aussi simple que ça. Putain, ça va, c'est pas trop rapide le scrolling, frère. Ils se sont dit là, le scrolling c'est une bonne vitesse. Mais là, quand même, avec la queue, c'est quand même vachement plus simple. Hein. Hop. C'est trop dur. Mec, c'est une dinguerie de faire des jeux aussi durs. Ils volent. Bonne idée. Ouh, ok. Oh non, pas ce niveau-là, je m'en rappelle. En vrai, attends, si je sprint... OMG. Ah, j'ai pas réussi à passer. Bon, j'ai déjà passé quand même une certaine partie. Ça doit être ça, hein. Non, oh putain. OMG! Oh, alors là... J'ai appuyé sur A, je vous jure, j'ai appuyé sur A, frère. Pourquoi? Saute pas comme ça, frérot, s'il te plaît. Mais... Restons zen. Ok, putain. C'est même pas fini. Il reste encore deux niveaux, frère. J'ai même plus envie de gaulerie tellement le jeu il me saoule, genre. Vivement qu'on arrive aux Mario les plus récents. En vrai, normalement, une fois qu'on aura terminé celui-là, vraiment, on aura fait le plus dur, je pense. Bon, on va faire Bowser sans power-up, hein. Attends, il se tire tout seul dessus? Oh non, j'aurais trop aimé que ça mette des dégâts. En vrai, là, j'ai juste à rester ici, c'est win, non? Sauf s'il me fait tomber avec lui, mais... Ou alors je me barre, hein. C'est bon? C'est bon? C'est over? Je peux rentrer dans la porte ou... Ok, fin de Mario Bros 3. En vrai, ce jeu, il est plus facile. Ça va nous donner une pause avant le prochain. Le gameplay est tellement rigide, c'est dingue. Danke Mario. Et alors, pour ceux qui savent pas, du coup, Mario Land 2, enfin Mario Land 1, c'est le premier jeu qui introduit Daisy. Ouais. Et Mario Land, Mario Bros 2, c'est le premier jeu qui introduit Birdo aussi. Ouais, mais moi j'instruis. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 mondes et il y a 3 niveaux par monde. C'est que pédou. Ok. Pays des gigachades. T'es l'île de Pâques ou... Moai. Je sais que ça s'appelle les Moai, mais c'est les gigachades, Moai. Hein? Je suis fou ou genre vraiment je lui ai sauté dessus et j'ai pris un dégât, genre. Mais quoi? Mais je peux te mettre un dégât ou pas, genre? Bah voilà. What? Mais ça me l'a fait 2 fois de suite en plus. Oh j'ai... Non. Attends, c'est pas mort. OMG, si je vais en haut, en fait, je peux gagner des vies potentiellement, donc... Enfin, c'est le truc qui nous permet de faire la roulette après, là. Oh non... Je voulais les 3 vies, pourquoi il me donne ça, frère? Musique japonaise pour MP3, what? T'es en train de dire que cette musique est stéréotypée. Allez, c'est le dernier niveau vraiment difficile. Enfin, vraiment difficile. J'ai connu plus difficile, mais... Technique, on va dire. J'aurais dû prendre au début, il y avait un item à prendre, mais c'est pas grave. Qui a besoin d'un champignon pour réussir les niveaux? Personne, vraiment. Let's go! Ok, attention, le dernier niveau, c'est pas du tout une référence à Cuphead, hein, vous inquiétez pas. Cuphead n'a pas du tout tout plagié sur ce jeu. OMG, je savais qu'il y avait une vie ici. Oh putain, j'ai pas réussi à l'avoir, j'ai été gourmand. Ça compte comme du plagiat pour moi. On te regarde porter plainte contre Cuphead. Le bon bruit des pièces. Je vais être plus focus quand même à esquiver plutôt qu'à bien viser. La priorité doit être d'esquiver, sinon je meurs comme ça. C'est pas grave. Mais mec, il va trop vite! Il va plus vite que moi! Nice! Je peux changer de jeu? C'est bon? C'est bon, je peux changer de jeu. Comment j'aime pas ce jeu? Moi non plus, c'est pas mon préféré. Mais en vrai, hier, on l'a bien... Hier, c'est le dernier qu'on a appris, celui-là. Je me suis gardé le meilleur pour la fin, comme vous pouvez voir. Ok, je me concentre. Faut que je chope 3 vies. OMG, OMG, OMG. Let's go. Alors, le problème de ce Mario, c'est que... si je flop et que je game over, je dois tout recommencer du début. Donc j'ai très peur. Une fleur, OMG. Ah oui, alors là, dans ce Mario aussi, quand il y a une fleur, il est indien, en fait. En fait, il devient Yakari. Trop bizarre, ce Mario. Il est goofy, genre. Non !
putain. Ok, ça va. Au moins, je suis pas mort. Tant que je perds pas des vies, moi, ça me va. Oh, mais mec, l'audio, il agresse tellement les oreilles. Attention, regardez le boss le plus dur. Juste ici, sous vos yeux ébahis. Le boss le plus dur de cette planète. Bravo à moi, il était difficile ce niveau. Ouh, c'est Mario Odyssey ou... Ouah, le lag. OMG. C'est douloureux, hein. Ok, attention, le boss le plus dur de tous les temps, sous vos yeux. Voilà. Vivement qu'on passe à Mario World quand même, hein, parce que putain, quel jeu de... C'est un jeu de déglingo, frère, hein, ce Mario Land. Vraiment, c'est le terme que j'ai choisi d'employer, hein. Bon, j'ai trop mal à la tête. Mais vous aussi, le jeu, il vous donne mal à la tête, genre? J'avais un meilleur souvenir. Bah après, je pense que ça rend mieux si tu joues sur petit écran, là, sur grand écran. C'est sûr que c'est pas fait pour, quoi. Je veux qu'on se rentre. Pas le boss le plus simple non plus. Même, faut savoir que même quand je suis dans les airs, après que Wario ait sauté, j'ai pas le contrôle, faut le savoir. Hein. J'ai pas de airtime en fait. Cette phase-là, c'est la plus dure. Si on la réussit, c'est fine, je pense. Nickel. Nickel. Je suis chaud. Je crois que c'est la fin, non? Je crois que c'est time. Oh, j'aime trop ce jeu, vita. Pour ceux qui savent pas, les Kaizo Mario, c'est né sur ce jeu. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Mario 2D. Genre, les sprites sont trop beaux, frère. Les musiques sont gothesques. Il est intemporel de zinzin, ce Mario-là. C'est difficile de faire mieux. Même les mécaniques, elles sont trop fluides, genre. Vraiment. Pour moi, il est même mieux que les plus récents, quoi, tu vois. Ouais. Ok, W. Let's go, là où je voulais arriver. Ok, normalement ça devrait le faire. Faut juste pas que je meure sur les niveaux dans le monde étoile. Sinon c'est chiant, parce que sinon je dois recommencer tous les niveaux du monde étoile. Mais mec, les musiques de ce jeu, je suis tellement heureux. Comment être malheureux, je vous le demande. Ok, niveau 2. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Allez, dernier niveau. Faut juste que je garde ma cape. Frère, il mange tous, Yoshi, frère. Il a faim. Hein. Imagine le Yoshi, il mange la clé, frère. Ok. Mec, là, en vrai, on va le finir en 15 minutes, ce jeu-là. Hein. Enfin, en tout cas, on est en voie. Hein. Ok. Bon, normalement, ça devrait le faire, là. Nickel. T'es gagné, là? C'est bon? C'est time ou pas? Ça m'a l'air d'être time, hein. Ouais, c'est celui-ci. Allez, on y va. Let's go. Le jeu me rend tellement heureux, vraiment. L'époque DS, c'était une sacrée époque, hein. Non, mais challenge serait pas easy. Non. Le challenge n'est pas easy, c'est juste que j'ai passé, genre, une semaine, là, ça fait une semaine que je fais que... Enfin, même pas, ça fait un mois, frère, en vrai, en tout. En vrai, c'est pas un mois d'arrache-pied, mais je veux dire. C'est juste que je bosse les runs depuis ultra longtemps, frère. Oh non. Attends, c'est... Faut sauter quand c'est la fleur, c'est ça, hein. Genre là, je saute. Ok. Ouais, non mais je connais cette strat. Vous êtes jaloux que mon Mario Bros DS il soit beau et pas le vôtre, c'est ça que vous êtes en train de dire. OMG, le triple jump, trop stylé. Oh là là, le triple jump one up, non, il y a du style. Ok, on prend cette warp à nouveau, bim bam boum, zing zing zing. Ok. Est-ce que c'était sur ce Mario qu'il y avait les mini-jeux, genre Casino, Luigi et tout? Mec. Genre, il y avait les jeux où on doit dessiner les trampolines pour les Mario qui tombent. Oh, oui, mais merde, je peux sauter par-dessus, lui. Ok. Tu devrais nous faire un live sur les mini-jeux Mario, vraiment. Moi, j'ai déjà hésité à faire un concept carrément, une vidéo dédiée à ça, genre. W. Nice. Je sais pas ce qu'il dit. Ok, c'est le dernier niveau ou pas? Si, c'est le dernier niveau. Mais frère, Bowser, il s'approche trop, frère. Recule, voilà, c'est ça, recule. Bah, c'est pas... Ouh, ok. C'est gagné? C'est time, là? Oh, le jeu de fou! Ok, let's go. On prend le premier canon, il va nous envoyer au monde 5. Et voilà. Ok, là, il y a une warp.
Je pense sub 10 large. Ouais, franchement, là, on est assez large. Hein. En plus, en vrai, Mario Bros. Oui, on peut pas mal skip les niveaux du monde 8. Genre, on a pas besoin de tous les taper. Je fais le GP Explorer. Ouais, c'est moi l'invité mystère. Je remplace Prime, en fait. C'est pour ça qu'ils ont viré Prime. C'était pour mettre Julgan à la place. Mario time! C'est tellement le meilleur Bowser, lui. C'est tellement la meilleure fin de tout Mario Bros. Confondu, frère. Time! Ça, je pense que c'est le Mario le plus simple de toute la liste. Celui qu'on est en train de faire, là. OMG. Ah merde! Ah putain, mais oui, merde! Il y avait une warp ici, frère. Ah oui, je suis débile, frère. Putain. Ah putain, mec, c'est vrai que les niveaux canons, ils sont galères. Attends, je me concentre. Je peux faire une chaîne VOD sans aucun cut. Ça serait bien, quand même, s'il y avait genre une chaîne YouTube qui s'appelle Julgan Replay et qui fait exactement ça, genre. En vrai de vrai. Ça serait grave bien. Et en fait, je suis sur un entre-deux où j'hésite entre sauter jusqu'à la fin ou sauter sur le Koopa, frère. Mais c'est chiant de sauter sur le Koopa. Je vais arrêter de sauter sur les Koopas, frère, ça sert à rien. Mais qui... OMG, je suis mort qu'une seule fois. Ouais, ça doit être ça. Ressaute, s'il te plaît, frérot. Je peux sauter ou... Let's go, time. Oh non! Putain, c'est pas time, les gars. Mec, je n'ai plus d'oreilles. Hein. Allez, ce serait bien de le first try, ce serait cool. Faut juste être patient, ça. Oh putain, merde, j'avais pas vu. Si! Au revoir. Bon, c'était long quand même, hein. C'était trop long pour ce que c'est. Et ensuite, il restera plus que Mario Run, hein. Mec, en vrai, Mario Run, c'est vraiment juste pour la vanne. Ah, ok, putain, je sais pas pourquoi, ça, j'ai full oublié, frère. Mec, je me souvenais plus du tout que c'était là, genre. Et tu vas large sub 10. En vrai, l'objectif, c'est sub 8h, mais je pense que ça va être chaud, en vrai, avec Mario Run. Il est grave maniable, ce Mario, quand même. Hein. Quel est le meilleur Mario? Mario World. Quel est le pire Mario? Mario Bros 2. Ouais. Monde 5 tours. En sortant du tuyau au début, attends que le serpent vert sort complètement. Ah putain, oui. Là, il y a la petite, le petit passage secret, là. Oh putain. J'ai bien cru à la mort. Comment j'étais censé deviner que le bout, il était là, frère? Genre, je dois connaître le remplacement par cœur, genre. Ça doit être ça. Bah, il est chez lui, il vit sa meilleure vie. C'est vrai, mais bon, il pourrait faire un effort et pas se mettre en plein milieu, quoi. Il est avec le Yoshi. Ah, d'accord. Putain, je savais pas, ça. Ils sont goofy, les bouts. Non, vraiment, ils font des Aigao face et tout. C'était pas comme ça dans mes souvenirs. OMG la porte, OMG. OMG. Ok. Putain, et dire que c'est l'avant-dernier niveau, frère. Ok. On arrive au dernier niveau. Il manquera plus que Mario Run sur l'iPad. On va se régaler pour le meilleur jeu pour la fin. Allez, first try ce niveau. Je crois en mes rêves. Ah ouais. J'ai failli crever. Allez, termine, mec. En vrai, Mario Run, ça va être fun. Mario Run, ça va être drôle. OMG. Voilà. Ouais, c'est time, ouais. Ouais, le meilleur jeu. Bon, Mario Run, y a pas grand chose à dire. Vraiment, faut juste faire tous les niveaux et aller tout droit. Mec, ça m'aimait bien en vrai. Non, mais moi, franchement, le fait de me dire qu'il y a Mario Run dans une vidéo des speedruns des Mario 2D, moi, ça me rend sympa. Moi, franchement, je m'amuse. En vrai. Non, en vrai, c'est lui le Mario le plus simple de la liste parce que vraiment, on va juste tout droit, quoi, mais.
L'audio lag un peu, non? OMG, Peach? OMG? Oh, putain! Merde! Peach est en réalité Bowser. Gameplay de fou? Mais mec, moi, je passe un bon moment. Lost Levels moins dur. Je vois ce que tu veux dire. Oh, la backup strat! Ouais, personne l'a vu venir. Bah non, mais moi, je suis un pro player Mario Run, hein, il faut le savoir. Hein? Il saute pas automatiquement au-dessus? Ok, je suis un peu déçu. Je pensais que Mario était capable de faire mieux que ça. Mais visiblement non. En fait, les moindres trucs là aussi, les blocs pause, en fait, tout ça, faut sauter au-dessus parce qu'en fait, c'est des trucs qui vont nous ralentir. Les strats speedrun Mario Run s'arrêtent juste ici, hein. On savait, merci, mais ok. D'accord. Ok, donc moi, je prends le temps et tout. Je me fais chier à payer des jeux! À caler des heures! Je me fous dans la merde! Limite à découvert! C'est quand même une dinguerie, ce clip. OMG, la vitesse? Le jeu est tellement mid, genre vraiment, y a pas un meilleur adjectif pour décrire ce jeu, frère. Là, c'est fini totalement après ce niveau. Ouais! Faire quoi? Faut lui renvoyer les bombes, c'est ça? Ah oui, ok, d'accord. Ah, c'était pas à la bonne hauteur. Mais mec, mais il veut pas être normal. Balance-la à la bonne hauteur, t'as bon, frère. Voilà. Time. Oh, j'ai fini tous les Mario Bros. En moins de... Tous les Mario Bros, tous les Mario 2D, en moins de 10 heures, et en moins de 9 heures, accessoirement. Merci infiniment, YouTube, d'avoir regardé. J'espère que tu vas mettre le like et t'abonner. Ça m'a demandé environ un mois d'entraînement de temps en temps, tu vois, genre quelques fois par semaine, m'entraîner sur tous les Mario, surtout les vieux Mario. La plupart des Mario, je ne les avais jamais joués. Genre, Mario Land, j'avais jamais joué. Mario Bros 2, j'avais jamais joué. Mario Lost Levels, j'avais jamais joué, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup d'apprentissage à faire en amont. Je crois que c'est même le, voilà, le challenge qui m'a demandé le plus d'apprentissage en amont, donc s'il vous plaît, un petit like si vous voulez avoir plus de défis comme ça, peut-être sur les Zelda 2D, on sait pas, bon peut-être, je dis ça comme ça, peut-être un jour. Allez, merci à regarder, bye YouTube.